Alors. Voilà, comme ça, devant. Tiens, devant. Expliquez-nous où nous sommes aujourd'hui et qu'est-ce qui se passe. Bien, nous sommes invités le lycée technique et l'hôtelier de Monaco pour ce salon. Et bon, c'est un projet que nous avons débuté il y a environ un an au niveau de notre école. L'idée étant, puisque comme vous le savez, Monaco est très très intéressé et réactif sur l'environnement. Donc nous avons décidé au niveau de notre lycée, du lycée technique hôtelier de Monaco, puisque nous avons une section des sciences et techniques industrielles, de développer un produit avec des élèves. Donc ce vélo a été réalisé totalement avec des élèves pour former nos élèves sur ces nouveaux produits. Donc, alors, le vélo, le voilà. Alors, qu'est-ce que les élèves ont fait dessus? C'est un vélo en bambou. C'est un vélo en bambou. Au départ du projet, M. Dorijneski, consul honoraire du Vietnam, nous a offert les cadres en bambou. Et à partir de ces cadres, nous avons réalisé totalement tous les périphériques pour aboutir à ce vélo tout chemin qui, j'espère, restera une initiative pérenne au sein du lycée et évoluera. Donc, nous avons aujourd'hui... Les batteries, comment est-ce que vous avez choisi comment les batteries? Ce sont les batteries qui sont le plus fréquemment utilisées, les batteries au lithium. C'est assez classique, hein, mais l'idée, c'est que toute la réalisation, la conception, les forces en question, la conception a été totalement réalisée par nos élèves de toutes les sections du lycée. De quel âge à quel âge? De 15 ans jusqu'à 20 ans. Et alors, d'après vous, qu'est-ce qui a le plus passionné les élèves? C'est un projet concret et qui touche à l'environnement. Comme je vous le disais, la principauté est très concernée par l'environnement, vous le savez. Donc c'était un projet qui les a absolument tout de suite intéressés et motivés. Et l'intérêt, c'est de leur donner, à la fin de leur formation, une qualification supplémentaire en termes de connaissances professionnelles pour pouvoir intervenir par la suite sur ce type de véhicule qui se développe énormément. Et vous l'avez testé? Absolument, nous sommes venus sur le vélo. Faites-moi voir, il marche encore? Bien sûr. Allez-y. Après. Et voilà. Et là, il marche à assistance électrique. Eh bien, merci vraiment et bravo à toute l'équipe. Merci beaucoup, madame. Et au proviseur qui a eu la bonne idée de proposer ça à ses élèves. Très gentil, merci. Merci.